الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستمر بالقراءة والترجمة من الكتابة في فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى السبعين الأخيرين ننتقل إلى العليم يقول المؤلف رحمه الله اللطيف الخبير وهما اسمان تكرر وردهما مجتمعين مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تكُ مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أما الخبير فمعناه الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر ولطائف الأمور وعلم خفيات البذور وذقائق الذرات فهو اسم يرجع في مدلوله الى العلم بالامور الخفيه التي في غايه اللطف والصغر وفي غايه الخفاء ومن باب اولى واحرى علمه بالظواهر والجليات واما اللطيف فله معنيان احدهما بمعنى الخبير وهو ان علمه دق ولطف حتى ادرك السرائر والضمائر والخفيات والمعنى الثاني Donc, les deux noms sublimes d'Allah, Al-Latif, al, -Latif, al, al -Latif, le compatissant, al le parfaitement connaisseur. Et ce sont deux noms qui ont été euh, cités à plusieurs reprises, réunis dans de nombreux versets du Coran. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azzawajal selon le sens, les regards ne peuvent l'atteindre cependant qu'il saisit tous les regards wa et c'est le compatissant, le parfaitement connaisseur. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, en citant le conseil que le commun, le sage, a dirigé à son fils, la parole d'Allah sans le sens ô oh mon enfant fût-ce le point d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre Allah le fera venir Allah est infiniment doux parfaitement connaisseur quant au nom al-khabir le parfaitement connaisseur ce nom d'Allah azawajal signifie que Allah azzawajal atteint par sa science toutes les choses secrètes et qu'il contemple les choses cachées et secrètes. Il connaît les semences cachées. Il connaît la minutie des particules. C'est donc un nom dont le sens amène. La, au fait qu'Allah Azawajel connaît toutes les choses même les plus cachées. Et les choses les plus cachées même celles qui sont infiniment fines et petites. Et de surcroît, Allah connaît et a la science de toutes les choses qui sont apparente et claire. Amma quant au nom al-latrif, le compatissant, on peut aussi le traduire par le doux. Falahu il a deux sens. Le premier, dans le sens de l'habit, du parfaitement connaisseur, c'est-à-dire que sa science, que la science d'Allah azawajel est tellement précise et fine qu'elle atteint l'ensemble des choses qui ne sont pas visibles et qui sont cachées ou qui sont enfouies. La deuxième chose, la deuxième signification du mot, du nom d'Allah sublime, Allatrif, c'est-à-dire celui qui fait parvenir à ses serviteurs et à ses alliés ce qui est pour leur bien par sa douceur et par sa bienfaisance d'une manière qu'ils ne ressentent pas, d'une manière qu'ils ne ressentent pas. Le fait qu'Allah fasse parvenir à ses serviteurs et à ses alliés ce qui est pour leur bien par la douceur d'Allah et par sa bienfaisance de manière que ses serviteurs et ses alliés ne ressentent pas. Et combien sont comblés de bienfaits et ne s'en rendent même pas compte. Puis, le cheikh cite les deux noms sublimes d'Allah, Al-Afu, al le clément, le tout-pardonneur. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور وقال تعالى فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه ابلغ منه فان الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو والمحو ابلغ من الستر وهذا حال الاقتران واما حال انفرادهما فان كل واحد منهما يتناول معنى الاخر وعفوه تعالى نوعان: النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة. ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحت... والمصابين بالمصائب المحتسبين فكل من تاب إليه توبة نصوحا وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار فإن الله يغفر لمن فان الله يغفر له من اي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان وكلها داخله في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وابواب عفوه وغفرانه مفتوحه ولم يزل ولا يزال عفوا غفورا وقد وعد بالمغفره والعفو لمن اتى Les deux noms subliment d'Allah le Clément, le Tout-Pardonneur. Allah Azawajal dit dans le verset 60 de Surat Al-Hajj <coughs> Ainsi en est-il quiconque châtie de la même façon dont il a été châti et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage Allah l'aidera car Allah est certainement car Allah est certainement Clément et Pardonneur. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 99 de sourate an « à cela il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur. Dans quel contexte Allah azza wa jalla dit cela dans le verset 99 de sourate an « Na'am, pour ceux qui euh, n'ont pas la capacité de faire la hijra, nisa Et ceux qui, parmi les femmes et les enfants, et ceux qui n'ont pas la possibilité de faire la hijra, Allah j'ai dit à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Et al-afou, <coughs> al-afou, al-afouan, al-afou, donc le nom d'Allah, le Clément, est celui qui efface les péchés et pardonne les désobéissances. C'est un nom qui est proche du pardonneur, sauf qu'il est plus prononcé. Car le pardon informe du, du sens de cacher, cacher le péché. Quant à l'afou, la clémence donne la signification de l'effacement et effacer est plus prononcé que que cacher. Ceci lorsque les deux sont cités l'un après les autres. Ainsi, l'afou, l'afou ou le parce que nous, dans, les deux noms d'Allah sont cités l'un à la suite de l'autre, l'afou ou le al l'afou c'est celui qui efface le péché. Al-Rafour, c'est celui qui le, qui le cache. Et beaucoup de hadiths viennent dans ce sens où Allah euh, réprimandera ceux qui euh, dévoileront leur péché. Alors qu'il a passé la nuit et Allah l'a caché. Alors qu'il a, a passé la nuit. Et Allah Azzawajal cachait son péché. Et le lendemain matin, il le, il le divulgue à tous ceux qu'il voit. Donc, lorsque les deux noms al-Afou ou al, et al sont cités l'un après l'autre, al-Afou signifie celui qui efface le péché et al-Rafour celui qui le cache. Quand ils sont cités indépendamment, eh bien, chacun à la signification de l'autre. Chacun porte la euh, signification de l'autre. Ainsi, lorsque Al-Afou est cité tout seul et Al-Rafour tout seul, c'est celui qui à la fois cache et, et efface. Et la clémence d'Allah est de deux sortes. Il y a la clémence générale qui englobe l'ensemble des criminels parmi les mécréants et autres. Quelle est la nature de cette clémence générale dans le fait qu'Allah Azawajal repousse le châtiment après que ses causes soient avérées Donc des gens qui ont commis des crimes parmi les non-musulmans et autres et qui méritent le châtiment d'Allah. Mais Allah le, le repousse. Également, alors, donc, Allah repousse ce péché, mais, euh, cela mérite, ces personnes-là méritent également que tout bienfait soit, euh, rompu pour eux. Puis, Ashikh Abdelrazaq al-Abad dit, ils font des mauvaises choses en insultant Allah, en commettant le polythéisme et toutes les autres formes de désobéissance, et lui, Subhanahu wa Ta'ala, il est clément envers eux, il leur donne leur pourvoi il leur donne leur pourvoyance et euh, leur accorde des bienfaits apparents et cachés. Et il met à leur disposition cette vie d'ici-bas et leur donne de ses bienfaits et de ses mérites. Il les laisse, mais n'oublie pas. Ceci par sa clémence et sa douceur, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est la première, la première forme de, de clémence qui est la clémence générale. La deuxième sorte de clémence qui est la clémence particulière est le pardon qui est propre à ceux qui se repentent, à ceux qui demandent le pardon, à ceux qui invoquent Allah, à ceux qui l'adorent. Également à ceux qui sont touchés par des malheurs et qui espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tous ceux qui se repentent à Allah d'un repentir sincère, qui est un repentir fait sincèrement pour Allah Azza un repentir qui n'est pas accompagné de euh, D'hésitation ni de persistance dans le péché, eh bien Allah lui pardonnera tous les péchés, quelle que soit sa nature, que ce soit de la mécréance, de la perversité ou de la désobéissance. Toutes ces formes entrent dans la parole d'Allah dans le verset 53 de Surat az zumar dit ô oh, mes serviteurs qui avaient offensé leur personne, ne, désobé, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah est le pardonneur et le tout miséricordieux. Et les portes de la clémence d'Allah, les portes de son pardon sont ouvertes. Et Allah a toujours été et restera toujours et ne cessera d'être clément et miséricordieux. Et il a promis le pardon et la clémence à celui qui euh, fait les causes pour cela. Allah a promis la, le pardon et la clémence à celui qui fait les causes pour les obtenir, comme il le dit à Zawajel dans le verset 82 de sourate Taha. Et je suis pardonneur à celui qui se repent, qui croit. Et qui fait de bonnes œuvres, puis reste sur le droit chemin. Ce sont les causes de Asbab ou Al-Marfirawa. Inni la je suis donc très pardonneur pour celui qui se repent, qui croit, qui fait des œuvres vertueuses, puis qui reste sur le droit chemin. قال تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى سبح اسم ربك الاعلى وقال تعالى عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال وهذه الاسماء تدل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات فهو العلي علو ذات فهو العلي علو ذات قد استوى على العرش وعلى جميع الكائنات وعلى على جميع الكائنات وباينها قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى في ست ايات من القران ثم استوى على العرش اي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وهو العلي علو قدر وهو علو صفاته وعظمتها فان صفاته عظيمه لا يماثلها ولا يقاربها صفه احد بل لا يطيق العباد ان يحيطوا بصفه واحده من صفاته وهو العلي علو قهر حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات باسرها فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن الا باذنه وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والايمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه، وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب، وإخلاصا في عبادته، وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء، قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. Donc, le nom d'Allah Azzawajal, Al-Aliyyul A'la Al-Mut'a'al, qui sont les trois noms qui, euh, ont, euh, la même signification, à savoir le Très-Haut. Allah Azzawajal dit, dans le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, huwa Al-Aliyyul Azim. Et c'est le Très-Haut, l'immense. Il dit Azzawajal, en surat al la Al-A'la, Sebbihisme Rabbika Al-A'la. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Il dit Subhanahu wa Ta'ala, Alimul Ghaibi wa Shahada, Al-Kabirul al Mut'a'al. Celui qui connaît l'invisible et le visible, le grand, le sublime, le, le Très-Haut. Le grand, le Très-Haut. Ce sont des noms qui prouvent la totale élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous tous les aspects de l'élévation. Allah est le Très-Haut par son essence. C'est-à-dire qu'il est établi, c'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus de son trône. Il est au-dessus de l'ensemble des choses existantes. Et Allah azawajal est C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est différent et séparé de ces choses. ta'ala, Allah Azzawajal dit, le tout miséricordieux élevé au-dessus du trône. Et Allah dit dans six versets du Coran, puis il s'est élevé au-dessus du trône. C'est-à-dire qu'Allah est élevé d'une élévation qui est propre à sa majesté, à son immensité. Et c'est le Très-Haut dans sa place. C'est-à-dire c'est-à-dire que dans, dans ses attributs et son immensité. Les attributs d'Allah sont immenses, elles ne sont égalées, ses attributs ne sont égalés et ne sont approchés par les attributs de personne d'autre. Plus encore, les serviteurs ne pourraient avoir l'une l'un ne serait-ce qu'un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le très haut par son pouvoir et son contrôle Allah contrôle toutes choses et toutes les choses existantes se soumettent à lui sans exception les toupets de ses créatures sont entre ses mains Nul ne peut bouger, nul ne peut s'arrêter sans son autorisation. Ce qu'il veut a lieu, ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Et le fait de croire en l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de ses créatures doit faire hériter chez le serviteur l'immensité d'Allah et le fait de se rabaisser devant lui et de l'exempter de tout manque et de tout défaut et de lui vouer un culte exclusif et de s'éloigner du fait de prendre avec lui d'autres divinités ou associés. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 62 de Surah al ceci car Allah est la vérité et ce qu'ils invoquent ان دوار دو لوي إلو فو إلى الله لو تخيو. لو جران. الله لو تخيو لو جران. ثم قال حفظه الله تعالى الكبير العظيم. لو جران لإيمانس. أي الذي له الكبرياء ونعتا والعظمة وصفا قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار رواه أحمد أبو داود فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما والمسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر أكبر من من كل شيء وان كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له انواع العباده واعتقد انه المستحق لها دون سواه وعرف ان كل مشرك لم يقدر ربه العظيم حق قدره كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وسبحان الله اين ذهبت عقول المشركين حين صرفوا ذلهم وخضوعهم الى مخلوقات ضئيله وكائنات ذليله لا تملك لنفسها شيئا من النفع والضر فضلا عن ان تملكه لغيرها وتركوا الخضوع والذل للرب العظيم والكبير المتعال والخالق الجليل الذي عن الذي عنت له الوجوه وخشعت له الاصوات ووجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب تبارك الله رب العالمين donc les deux noms d'Allah الكبير العظيم le grand l'immense c'est-à-dire celui qui a comme qualificatif la grandeur Et comme attribue l'immensité, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qud aussi, la grandeur est mon ridha et l'immensité est mon izar. Celui qui m'enlève l'un des deux, je le jetterai en enfer. Ainsi, Allah, subhanahu wa ta'ala, a la grandeur et l'immensité qui sont deux attributs qui, que l'on ne peut estimer et que les serviteurs ne peuvent imaginer. Et le musulman qui croit, qui a la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose et que toutes les choses aussi grandes soient-elles sont petites devant la grandeur et l'immensité d'Allah. Celui qui sait et croit en cela se rabaissera devant son Seigneur et lui vouera toutes les formes d'adoration et croira qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et une personne qui croit cela saura aussi que tous les polythéistes n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala l'estime qui est la sienne comme l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 67 de surat az-zumar ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être alors que alors qu'au jour de la résurrection il fera de la terre entière une poignée et Les cieux seront pliés dans sa main droite gloire à lui il est au-dessus de ce qui lui associe Gloire à Allah Où sont partis où est partie la raison des polythéistes lorsqu'ils se sont soumis et se sont rabaissés à des créatures Misérables, des créatures qui ne peuvent pour elles-mêmes ni apporter un bien ni repousser un mal, et ne peuvent également l'apporter, apporter le bien ou repousser le mal à autre qu'elles. Comment, où, où est partie la raison de ces polythéistes qui ont, qui se sont soumis à ces créatures et ont délaissé le fait de se rabaisser, de se soumettre? Au Seigneur l'immense, le grand, le très haut, le Créateur, le Créateur pour lesquels les visages se sont humiliés, les cœurs pour lesquels les cœurs frémissent. Gloire à lui, le Seigneur des mondes. Le fort المتين. أن المتين هو شديد القوة. سُلُيكيَ une grande force. وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: "الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز". واسم الله المتين لم يرد الا في موضع واحد مقرونا بوصف الله بانه ذو القوه قال الله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ومعنى المتين اي شديد القوه ومعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه رد ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه يعز من يشاء ويذل من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء فالقوة لله جميعا لا منصور إلا من نصره ولا عزيز إلا من أعزه قال الله تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وهو على وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذا وان ايمان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارا بين يدي الله وخضوعا لجانبه وخوفا منه سبحانه ولجوءا اليه وحده وحسن توكل عليه واستسلاما لعظمته وتفويض الامور كلها اليه والتبرؤ من الحول والقوه الا به. دونك <applause> al le fort, le détenteur d'une grande force. Le nom d'Allah Al-Qawi a été cité dans plusieurs endroits du Coran. Parmi ces versets, le verset 19 de Surah al Shura. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue, c'est-à-dire ses biens, à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. al Aziz. Et le nom d'Allah Al-Matin n'a été cité que dans, un, que dans un seul endroit du Coran. Il a été cité euh, en même temps que la description d'Allah comme étant détenteur d'une force, dans le verset 58 de surat al -Dhariyat. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur le détenteur d'une grande force. Et la signification de l'matine, celui qui a une force phénoménale. Et le sens de l'qawi, et le sens de le fort, c'est-à-dire que rien n'est impossible pour Allah. Et rien ne peut prendre le dessus sur Allah. Rien ne peut rejeter son décret. Il applique ses commandements et son décret est en vigueur sur ses créatures. Il élève qui il veut, rabaisse qui il veut, donne la victoire à qui il veut, abandonne qui il veut. La force tout entière appartient à Allah. Point de victorieux, point de victorieux sauf celui à qui Allah a accordé la victoire, et point de fort Sauf celui à qui Allah a accordé la puissance. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 160 de Surat Ali Imran. Si Allah vous accorde la victoire, personne ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc, après lui, pourrait vous accorder la victoire? Et c'est en Allah, place leur confiance les croyants ainsi la croyance du serviteur au nom d'Allah Al-Qawi doit faire vivre en cette personne la soumission devant Allah et le rabaissement et l'humiliation devant lui subhanahu wa ta'ala cela doit également provoquer chez le croyant la peur d'Allah et le fait de revenir vers lui, de placer sa confiance en lui, de s'en remettre à lui en toutes circonstances, et de savoir qu'il n'y a de force qu'en lui, Subhanahu wa Ta'ala.